Bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui lundi, c'est mon premier jour officiel de vacances que j'attendais avec impatience. J'espère que vous aussi vous êtes en vacances et si ce n'est pas le cas, je vais essayer de poster un petit peu plus de vidéos cette semaine et la semaine prochaine, étant donné que j'ai un petit peu plus le temps pour tout simplement vous faire sortir un petit peu de votre routine à vous. Et j'espère en tout cas que c'est quelque chose qui va vous plaire. C'est vrai que je ne poste pas énormément de vlogs en règle générale, mais j'ai décidé d'être un petit peu plus présente là, en tout cas pendant mon temps de vacances. On va commencer avec un petit test de produit. Je vous le disais dans le vlog précédent que j'avais reçu donc des petits produits de chez Catrice, donc il y avait des choses qui convenaient à ma couleur de peau, d'autres qui convenaient un petit peu moins, et là ce matin j'ai terminé un de mes mascaras et j'avais tout simplement envie de tester autre chose. Donc là on a le Super Prime Mascara, donc la base de mascara, suivi du mascara Volume & Lash Boost Up Mascara de chez Catrice également, donc base plus mascara. J'avais envie de tester ça. Je vais vous rapprocher un petit peu pour qu'on puisse voir ça d'un peu plus près et voir surtout si ça fonctionne. Le primer qui est de couleur grise. Alors ça attrape bien les cils. Mais c'est fou parce que on dirait que j'ai du mascara sur les cils. Ça les a attrapés. Oui, ça les a cartonnés un petit peu. Ne faites pas attention à mon liner, c'est une catastrophe mon liner. J'ai testé un nouvel eyeliner et alors je sais pas s'il est passé ou quoi, mais en tout cas ça a été une catastrophe. Je vous en parlerai plus tard dans les produits terminés. Enfin quand je dis plus tard, c'est soit dans la journée, soit ben, du coup dans le prochain vlog. En tout cas c'est prévu que je vous fasse des produits terminés. Mais honnêtement, une cata. J'ai essayé de rattraper avec mon Rare Beauty que j'aime énormément, mais bon... Quand il y a des catastrophes comme ça, c'est très dur de rattraper en fait. On se retrouve avec des trait liners qui sont beaucoup plus épais que ce qu'on voulait. Donc c'est parti pour le Boost Up. Alors là, pour l'instant, ça a bien recourbé mes cils. Je ne sais pas si vous verrez. Donc voilà, c'est recourbé. Mais voilà, pour l'instant, rien de fou en tout cas en termes de volume. Donc voilà le mascara qui promet volume. Ah oui, ça dépose de la matière. Oui, en termes de volume, je vois la différence. Alors là, pour le coup, moi qui n'ai pas de cils, si je vous dis que vous pouvez vous fier à ça, vous pouvez vraiment vous fier à ce que je vous dis, parce que je n'ai vraiment pas de cils. Le problème, c'est que j'ai un liner qui est assez épais. Regardez. Comparé à de ce côté. Hop là. J'espère que vous aurez vu. Je suis désolée, à chaque fois que j'allume ma caméra, il y a un nombre de voitures incroyables qui décident de passer. Et du coup, vous avez le son des voitures. C'est pour ça que je parle fort des fois. C'est que j'essaye de couvrir en fait le son des voitures. Et c'est vrai que des fois, voilà, un coup je parle fort, un coup un peu moins, un coup plus, un coup moins. Et en général, je filme quand il y a de la lumière, donc quand il y a du monde dehors. Donc voilà, j'en suis désolée par avance, mais vous allez entendre quand même des bruits de voitures. Bon, écoutez, c'est pas mal du tout, hein. Voilà, je sais pas si vous verrez, mais j'ai l'impression, enfin en tout cas au retour caméra et même là, que j'ai limite appliqué des faux cils. Enfin, alors pas des faux cils, vous savez les bandes de faux cils qu'on colle, mais un peu d'extension de cils, voilà, pour donner un regard un petit peu plus sympathique. Et je voulais terminer avec le baume hydratant, donc c'est un lip gloss baume hydratant. Que j'avais vu pendant la présentation presse. Donc là c'est le Strawberry Baby, Straw Baby, et ça sent très très bon. C'est pas du tout une odeur entêtante. Voilà, juste de quoi venir se teinter les lèvres. Voilà, je pense que je vais rester comme ça pour aujourd'hui. J'ai pas forcément prévu de mettre du rouge à lèvres. Je suis bien comme ça, j'aime bien. Et puis, vu l'épaisseur de mon trait liner sur les yeux aujourd'hui, je pense que si je mettais du rouge à lèvres, ça allait être un petit peu trop. Voilà, c'est ça que je voulais faire avec vous. Je vais aller chercher mes produits de soins parce que en termes de boutons, mis à part celui qui est là, que peut-être vous voyez, peut-être pas, je sais pas trop. Normalement, je pense vous l'avez aperçu. Si c'est pas le cas, vous allez finir par le voir apparaître selon l'angle. Là, c'est vrai que j'ai ma ring light et tout, donc voilà, c'est un peu plus avantageux, mais il est possible que vous finissiez par le voir. À part celui-ci, j'ai quelques petites pépites que je teste. Vraiment une merveille, je vais les chercher, je reviens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...
10 produits dans ma routine. Alors ça peut paraître beaucoup, j'en ai parfaitement conscience, mais après il faut savoir que j'ai une peau à imperfection, à tendance acnéique, que je vais traiter les boutons parce que ça j'en ai besoin, sachant que j'ai une peau qui a besoin d'être matifiée parce que je regraisse, mais qui est aussi très sèche, et les produits pour les peaux acnéiques ont tendance à dessécher un petit peu la peau forcément, parce que plus tu la sèches et moins elle va produire en fait de sébum pour te créer des boutons. Donc j'ai besoin de temps en temps d'hydrater un petit peu aussi, donc voilà. En tout cas, quelque chose qui ne bouge pas, c'est mon trio nettoyant. Et encore, elle va bouger un petit peu parce que j'ai terminé l'eau micellaire nettoyante, démaquillante et matifiante de chez Aven. Une merveille. Je l'ai eu dans la My Little Box. Il en reste très peu. Donc ça va être ma dernière utilisation, je pense, ce soir. Elle démaquille tout et je mets de la liner et du mascara, ce qui est quand même le plus difficile à démaquiller, et grâce à cette eau micellaire j'arrive à tout nettoyer. Ensuite je vais nettoyer mon visage avec le gel moussant anti-imperfection de chez CeraVe. Vous vous rappelez, je l'avais commandé suite à de nombreuses recommandations. C'est vrai qu'il nettoie très bien, et même après avoir démaquillé avec l'eau micellaire, je retrouve toujours du marron un petit peu dans l'eau lorsque je me savonne le visage. Donc ça veut dire que l'eau micellaire certes retire le mascara, la liner et ce qui se voit en fait, hein, le rouge à lèvres par exemple, mais j'ai toujours des petites traces de fond de teint qui restent, et pourtant j'utilise deux cotons. Donc lui en vient vraiment à bout, et je fais un triple nettoyage parce que quand on a une peau comme moi, imperfection, le nettoyage c'est la base, c'est vraiment primordial, et j'utilise la mousse nettoyante pour tout type de peau et qui est aussi hydratante, donc pour apporter un tout petit peu d'hydratation, de chez Caudalie. Vous secouez, hop, donc là vous sentez que la mousse a été activée, vous pompez et vous nettoyez votre peau en profondeur. Donc voilà, j'ai trois produits de nettoyage, donc c'est vrai que c'est beaucoup, mais vous verrez qu'à la fin votre peau vous dira merci. Et le vrai secret d'une peau sans imperfection, au-delà aussi de tous les soucis hormonaux, etc., c'est vraiment le nettoyage. Ensuite, trois produits qui me sauvent vraiment, vraiment la peau. Alors ici de chez Typologie, c'est l'acide tranexamique à 5% tétrapeptide de chez Typologie. Donc ça c'est vraiment pour venir attaquer les taches pigmentaires. J'avais pour habitude d'utiliser la Caudalie, mais je la trouve un petit peu légèrement épaisse, alors que celle-ci est très très fluide, et je peux passer à mon sérum juste après, je ne suis pas obligée d'attendre. Donc c'est la raison pour laquelle moi qui ai très peu de temps, c'est pour ça que j'aime beaucoup celle-ci. Donc pour l'hyperpigmentation et la perte de fermeté, quand vous avez passé 30 ans, vous savez, la perte de fermeté, c'est quelque chose qui commence à vous faire un petit peu peur. Donc là, on a un mix des deux. Ça fait pas mal de temps que je l'utilise, je vous l'avais pas montré, je sais pas si vous verrez, mais voilà, j'en suis là, hein. J'ai déjà utilisé plus de la moitié et j'en suis très contente. Ensuite, on passe à deux produits de chez Sunday Riley. Ce sont des merveilles. Attention, pas d'exposition au soleil, donc je les utilise le soir et ou le matin si je sais que je ne vais pas sortir. On a le sérum Good Genèse à l'acide glycolique, donc toujours chez Sunday Riley. Attention avec ce produit là, si vous venez de vous tripoter les boutons, vous venez de tripoter vos imperfections, sachez que ça va vous piquer quand vous allez le mettre. Ça va piquer peut-être, allez, 2-3 secondes, mais voilà, vous savez exactement là où vous avez tripoté votre peau. Si vous avez fait un gommage juste avant, vous allez sentir aussi les petites zones que vous avez gommées de manière un petit peu abrupte. Vous allez le ressentir, donc voilà, faites quand même attention. Voilà, après moi j'ai une peau qui n'a pas réagi outre mesure et qui me convient très très bien. Et la nuit, je mets l'huile clarifiante pour le visage UFO, toujours chez Sunday Riley. Alors, une chose, ce sont à mon sens deux produits miracle. Attention, c'est pas donné non plus, mais lorsque vous vous réveillez le matin, celles qui l'ont testé, dites-le en commentaire si vous aussi vous les avez testés, ou si vous les testez finalement, mettez-le en commentaire. Vous vous réveillez le matin, c'est pas que vous n'avez plus de boutons, mais tous vos boutons sont aplanis. C'est incroyable, en fait ils vont dégonfler, ces deux produits vont vraiment dégonfler les boutons. Vous vous réveillez le matin, vous touchez votre peau et le grain de peau est affiné, votre grain de peau de bouton est affiné, c'est juste incroyable. Celui-ci, donc vous voyez, je l'ai utilisé quand même pas mal, sachant que c'est une pipette, hein. Le produit est vert, mais quand vous l'appliquez, ce n'est pas vert. Vous avez besoin de, sans mentir, je mets pas plus de 4 gouttes. Quand je mets 4 gouttes, c'est trop en termes de confort sur le visage parce que ça fait beaucoup d'huile. Mais 3 gouttes, c'est parfait. Et surtout après, j'utilise le gua sha
pour vraiment venir dégager et ça change tout. C'est magique. C'est le gua sha de chez Herborian, un miracle. Il est toujours très très froid, très très frais, ça fait du bien. Et vous venez vraiment dégager comme ça vers les ganglions pour que l'élimination en fait de votre sébum, de tout ce que vous avez d'impureté puisse se faire. C'est miraculeux comme technique. Deux autres produits pour le soir, si j'ai la peau qui est très 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 sèche, mais vraiment très sèche, je vais utiliser la Skin Therapy, donc les 17 super ingrédients de chez Herborian, qui a le même résultat que celui-ci. Il est juste un tout petit peu plus gras, donc c'est la raison pour laquelle j'aime bien l'utiliser quand j'ai la peau qui est vraiment déshydratée. Et en général, je l'utilise après celui-ci, donc je vous en parle juste après. Donc c'est une huile de nuit multi-perfectrice, donc voilà, pour les peaux encore une fois à imperfection, mais pour tout type de peau quand même, qu'elle soit grasse ou sèche. Donc voilà, je vais l'utiliser à la place de celle-là si j'ai vraiment besoin d'une très très grosse hydratation. Et pareil avec le gua sha, je viens nettoyer. Celui-ci, c'est uniquement deux fois par semaine, le Sleep and Peel. Donc il y a un micro peeling de nuit de chez Filorga. Il est très puissant. Si vous avez tripoté votre peau et que vous mettez la crème, vous allez le sentir aussi. Celui-ci, c'est un peeling, c'est pas plus de deux fois par semaine. Et surtout, on fait très attention, on passe très très loin de son contour des yeux et ça va venir en fait vous gommer la peau toute la nuit. C'est un peeling doux, hein, il n'y a pas de grains dedans. Vous allez l'appliquer comme une crème et vous rincez bien surtout le matin. Là aussi, en termes de boutons, plus rien. Alors quand je dis plus rien, c'est pas de nouveaux boutons en tout cas qui se forment. Et ça va aplanir aussi les boutons, mais pas plus de deux fois par semaine. Ça, en général, une fois que j'ai eu mes règles, que j'ai vraiment des boutons sur le visage, les moments où vous vous sentez très très mal dans votre peau lorsque vous avez une peau imperfection, ben ça c'est juste magique. Vous venez un petit peu tout gommer. Donc voilà, mais un vrai petit miracle. Je vais venir gommer mon visage une à deux fois par semaine selon si j'ai besoin. Vous savez, quand vous avez des tout petits boutons là partout et que vous ne pouvez tout simplement pas les traiter, eh bien n'hésitez pas à prendre votre gommage. Moi c'est l'Overtime de chez Summer Fridays parce que ça sert de masque aussi, donc voilà, je le compte pas dans les 10 produits parce que c'est vraiment très occasionnel et très ponctuel. Vous voyez, ça va pas être une fois par semaine, tous les mardis par exemple, ça va dépendre. Hop, j'ai une petite salve de tout petits boutons. Vous savez les tout petits qui sont en kikinant, bah hop, je gomme et je retire. Ensuite, les jours où je veux sortir et que je ne peux pas utiliser du coup ces deux produits de chez Sunday Riley. Donc en guise de routine, mon petit sérum anti-tache, ça va être la base. Et la journée, je vais mettre le sérum anti-imperfection à l'acide salicylique de chez Caudalie. Toujours, donc voilà, un petit sérum extrêmement léger aussi. Oui, je peux mettre deux sérums. Encore une fois, celui-ci, c'est comme si vous appliquiez de l'eau. Il va être bu en même pas 10 secondes. Hein. Donc voilà, un sérum anti-imperfection pour la journée. Et ensuite, je vais mettre le soin, donc qui va être ma crème de jour, mais en version gel, de chez CeraVe, le Blemish Control, pour éviter de rebriller et de regresser beaucoup trop vite, en fin de compte. Mais très bien aussi, vraiment, c'est pas miraculeux sur la peau, mais moi, tant que j'ai pas de nouveaux boutons et que ça vient aplanir mes boutons, honnêtement, pour moi, c'est que ça fonctionne, puisque tout ce que je demande, c'est que... Je dis pas que je veux que demain, je n'ai plus de boutons, mais en tout cas, quand ça vient aplanir et que ça vient m'apaiser moralement, ça me fait du bien. Et dernier produit, le masque La Rosée, que vous avez très certainement dû déjà voir passer. Ça fait des années, enfin il y a des années, je travaillais avec La Rosée, je vous l'avais déjà présenté. Il se présente en fait comme un stick déodorant, donc comme ceci. Attention toutefois, alors ce qu'il y a de bien, c'est d'essayer de ne pas trop venir gommer les angles, parce que passer sur le front, c'est hyper facile, là très facile, mais au niveau du nez, alors à moins d'avoir un nez aussi large que ça, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, sur le nez, je vais faire en avant et je vais utiliser les coins pour vraiment faire les angles du nez. Et je suis parfois obligée de finir avec le doigt parce qu'il y a des zones qui sont un petit peu compliquées. Mais bon, voilà, sachant que je l'ai quand même pas mal utilisé. Très bien celui-ci. Donc c'est un masque en stick régénérant à l'argile blanche. Pour une peau douce, une peau nette et une peau purifiée. Encore une fois, pour moi, la purification de la peau, c'est pour ça que j'ai pas mal de produits à l'acide glycolique, à l'acide salicylique, etc. C'est que moi, purifier la peau, c'est pour moi la
base pour éviter les imperfections. Et même si vous, vous avez une peau qui n'est pas à imperfection, pour éviter les imperfections, c'est vrai que c'est mieux d'aller nettoyer en profondeur et surtout de purifier sa peau. D'autant plus si, comme moi, vous vivez dans une grande ville où la pollution est quand même assez présente. Donc celui-ci parfait aussi pour tout type de peau. Donc voilà, j'ai essayé d'aller vite, j'ai certainement parlé très vite pour éviter que ça ne prenne trop de place. Et là j'ai très très faim, il est quelle heure? Parce que je suis censée avoir un coursier qui arrive. Il est 10h48, je pense que je vais aller me faire un petit smoothie. Là j'en ai besoin, donc c'est parti. J'avais reçu les fruits de chez Montmarché avec plein de fruits exotiques. Et là j'ai deux pitayas que j'avais vraiment envie de mettre en smoothie. Je suis désolée pour la lumière, mais là c'est de pire en pire. Donc j'avais deux pitayas, un rouge comme ceci et un jaune comme celui-ci et un reste d'ananas qui commence à bouder un petit peu. Et je me suis dit que j'allais tout mettre en smoothie. Alors pourquoi un smoothie en ce moment? En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec les cadeaux de fin d'année, notamment les chocolats, j'en ai mangé énormément. Et en fait, au lieu de faire une monodiète comme j'aurais fait pendant 3 jours en ne mangeant que des pommes ou que des ananas ou que des oranges ou peu importe, en choisissant en fait un fruit, je me suis dit que ce serait plus simple de faire une journée 100% liquide, donc smoothie plutôt pour le matin et pour le goûter. Donc là je suis en train de préparer un grand smoothie pour la journée et soupe le midi, soupe le soir, histoire d'avoir quelques apports en légumes quand même. Et je me suis dit que ce serait une meilleure idée plutôt que la monodiète, parce que la monodiète, c'est vrai que je me sentais vraiment vraiment pas d'attaque. Sous ma dernière vidéo, la vidéo, vous savez, idée de tenue de Noël. Et c'est marrant parce que ce nœud rose, en fait, il ne laisse personne indifférent. Je crois qu'il, dans tous les commentaires, on me parle de ce nœud rose. Ce qui est assez rigolo, c'est que c'est un look sur 6, mais on dirait que c'est le seul look que j'ai proposé. Donc c'est assez drôle et surtout, en fait, il ne laisse personne indifférent. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Il n'y a pas de « oh, ça se tente » ou de… En fait, il est tellement original. Et c'est drôle parce que moi, je l'avais mis dans mon panier à la base. Quand je l'ai vu, je l'ai trouvé incroyable. Et je me suis dit « ah, non » et tout, je sais pas, est-ce que j'assumerai, est-ce que… Voilà, et du coup je ne l'avais pas acheté, et quand j'étais au showroom Nastigal et que je l'ai vu, je me suis dit c'est un signe, c'était ma taille, c'était le seul, c'était le dernier, c'était ma taille, et je me suis dit ouais je vais le prendre. Et c'est drôle parce que je l'ai pris, et encore une fois comme j'ai dit, c'est pour sortir de ma zone de confort. Donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de commentaires me disant c'est dommage, il n'y a pas de robe, etc. Mais dans les deux vidéos que j'ai fait l'année précédente et l'année encore d'avant, il y avait des robes, il y avait des shorts, etc. Et je m'étais dit tiens, pour les personnes qui ne veulent pas forcément se montrer, pour les personnes qui ne veulent pas forcément mettre des jupes courtes ou des robes courtes, etc., ben peut-être que ce serait bien de proposer cette année une vidéo plutôt en pantalon. Tout ça pour dire que ce nœud fait parler. Fini quelques mails et du coup on va se faire un petit haul. J'ai acheté des petites nouveautés et ensuite j'irai chercher les cadeaux de Noël. Alors j'ai le Père Noël qui est déjà passé pour mon petit neveu. Ma sœur a commandé pour mon petit neveu des chaussures. C'est marrant de se dire qu'il fait déjà une taille 26, parce que pour moi il est né hier en fait. C'est fou comme il grandit, j'ai trop trop hâte de le serrer dans mes bras. Elle m'a dit surtout pas de grande marque et tout parce qu'il détruit tout.
Il court, etc. Donc voilà, le Père Noël est passé chez H&M pour voir. Ensuite, ma petite sœur m'a demandé un thermos. Elle a dit j'en ai vraiment besoin, je veux quelque chose de petit qui fonctionne bien. Et moi, j'en ai un de chez Pylone qui est magnifique. Donc voilà, je lui ai dit dis-moi 2-3 motifs que t'aimes bien parce que Pylone doit avoir, je sais pas, 8, 9 ou 10 motifs différents. Donc elle m'a fait ça, donc j'irai le chercher tout à l'heure. Mon autre petite sœur ne sait toujours pas ce qu'elle veut. Mes parents ne savent pas ce qu'ils veulent. Et l'amoureux, on est passé chez Minimum. Donc c'est une marque qui est disponible chez Citadium, c'est une marque danoise. En tout cas, quand je suis passée au Citadium et que je l'ai vu, je me suis dit waouh, il va adorer. Effectivement, je suis revenue avec lui et je lui ai pris un manteau et un pull. Moi, vous le savez, j'ai eu mon manteau et j'ai demandé lui le guizou pour les cheveux. Je l'ai déjà, je vous l'avais déjà montré dans un haul il y a très très longtemps, mais voilà, je l'aime beaucoup cette huile pour les cheveux, donc je l'ai redemandé à ma petite sœur. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a 3 tailles différentes, donc après tu fais en fonction de ton budget. Et pour mon autre petite sœur, j'ai demandé l'huile Lost Alhambra de chez Refill. J'ai trouvé le packaging magnifique et il paraît que l'odeur est divine. Et je l'ai dans mon onglet ouvert depuis super longtemps et en retombant dessus, je lui ai dit écoute, voilà, c'est ça que je veux. En fait, j'ai besoin de rien. Donc je vais pas faire semblant de demander voilà, des choses voilà, je préfère qu'on m'offre des choses pratiques cette année puisque voilà, j'ai toujours besoin d'un sac Chanel hein, mais c'est pas quelque chose qu'on peut décemment demander hein, donc voilà, je travaille un petit peu, ensuite on passe au haul et j'irai chercher le cadeau de ma petite sœur. Et je pense que ce vlog sera déjà bien trop long pour une seule journée. Je trouve qu'on a fait beaucoup de choses en une journée, je trouve, et encore c'est même pas un tiers de tout ce que je voulais vous dire, donc c'est pas grave, on se réservera ça pour le vlog prochain. On est un peu plus tard les filles, c'est parti pour un haul. C'est un haul qui va être, j'espère, pas trop long, je vais essayer d'être assez rapide. On va commencer par Massimo Dutti. C'est rare que j'aille chez Massimo Dutti. Un petit débardeur comme ça, un petit Marcel blanc magnifique, vraiment une très très belle qualité, assez épais, un bon retombé. On a l'impression d'être sur un débardeur de chez COS que j'ai payé 29,95€. Donc voilà, je l'ai pris en taille S. J'espère que c'est la bonne taille, il m'a l'air un petit peu serré, j'avais pas trop envie d'être trop moulé à l'intérieur, donc voilà, je suis très contente pour cette taille-ci. Pour aller avec, j'ai pris un gilet bleu marine qui lui est en, laine et cachemire, donc forcément en termes de prix on est sur 69,95€. Bleu marine, attention, il taille oversize. On est quand même assez bien dedans, j'avais envie de quelque chose un petit peu loose et j'ai beaucoup aimé le détail des boutons, très très beau détail au niveau des boutons. C'est un beau bleu marine bien foncé, vous savez que c'est ce que j'adore. Donc ça ira très bien avec le débardeur. En général, l'hiver, je mets un débardeur ou un t-shirt avec un blazer ou un gilet et un manteau. Ou alors un pull et un manteau. Et là, très 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 contente d'avoir enfin trouvé un débardeur avec un liseré sur le pourtour en fait, en haut et en bas. Il existe le même mais à l'inverse, donc un blanc avec le contour noir. Ben moi c'est celui que je voulais, voilà, il y a très longtemps que j'en cherchais un comme ça. J'en ai trouvé beaucoup 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 sur Shein et je ne voulais, pour des raisons évidentes, pas commander sur Shein. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé chez Massimo Dutti en taille S également pour un prix de 29,95 aussi. Je vais continuer avec les Galeries Lafayette. J'ai perdu mon bonnet. Vous savez, j'ai un bonnet en cachemire. Enfin, c'était exactement le même. Bonnet en cachemire noir. J'ai perdu mes gants aussi. Je suis partie le racheter. Et je me suis dit, ben, pendant que tu y es, prends-toi la version grise. Donc j'ai la version grise. J'avais pris la grise parce que j'avais un gros coup de cœur et que j'ai un manteau maintenant de cette couleur. En me disant, au pire, si ton bonnet, tu le retrouves, tu pourras toujours voilà, ramener celui-ci. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé. On est sur des bonnets tous les deux 100% cachemire à 49€. Chacun aux Galeries Lafayette. Il y a plusieurs couleurs également. On passe maintenant chez Uniqlo, bah, comme le top que je porte, c'est marrant, c'est aussi un top Uniqlo que j'ai depuis 5-6 ans. À chaque fois que j'achète une pièce chez Uniqlo, elle me dure des années. Là, j'ai pris un col semi-montant, comme ceci chez Uniqlo. L'amoureux n'aime pas la couleur. J'ai l'impression que ça paraît gris à la caméra, on est sur un vert foncé.
Il n'est pas du tout gris. Hein. 8% de laine seulement. Et après, le reste, c'est pas foufou. Hein. Acrylique, polyamide et élastane. Mais en fait, j'ai eu un vrai coup de cœur pour la couleur. On est sur une taille S, je crois. Oui, sachez qu'il existe la taille en dessous, la XS. J'avais envie de prendre le gris aussi, mais il n'y avait plus ma taille. Il restait que du XL. Oversize, magnifique. Et il est très très doux pour si peu de laine. Je l'ai trouvé très très doux avec un col montant mais pas trop non plus. Donc voilà, vraiment une pièce que j'aime beaucoup. Et honnêtement, s'ils font un réassort en gris, il y avait tellement de monde que j'ai pas voulu demander, j'ai pris ce que j'avais à prendre et je suis partie. S'il y a un réassort en gris et ou en noir, en beige, il y avait un beige clair aussi mais pas ma taille non plus, je pense que je les rachèterais. Parce qu'ils sont vraiment pas mal du tout. Je les trouve vraiment très très beaux. Et j'aime beaucoup son retombé aussi. Chez H&M, j'ai pris 3 paires de chaussettes. En ce moment, c'est un petit peu la promo. 2 pièces achetées, la troisième, enfin la moins chère des 3 offertes. Donc voilà, je me suis refait un petit stock de chaussettes hautes. Vous le savez, j'ai toujours des invisibles. Donc là, je me suis dit, le froid, j'ai l'impression que cette année est beaucoup plus violent que les années précédentes. Donc j'ai pris celle-ci, je ne sais pas si vous verrez. Mais voilà, la première a des paillettes bleues. Je vous mettrai les liens de toute façon en barre d'infos, ce sera plus simple si je les trouve. J'ai pris celle-ci avec écrit Love dessus. Bon, après, est-ce que je la laisserai dépasser? Je ne pense pas, j'en sais trop rien encore. Mais c'est vrai que comme j'ai des jeans un petit peu crop, c'est pas trop mal d'avoir des petites chaussettes qui dépassent. Donc la Love, et j'ai pris la même que la première, avec des petites paillettes comme ça et des petites oreilles de mini. Ou de Mickey comme vous voulez. Et en fait c'est drôle parce que quand je les ai achetés hier, j'habillais en gris et noir, donc exactement de cette même couleur, et je m'étais dit tiens, si j'avais dû porter des chaussettes, c'est exactement celle que j'aurais portée avec ce look, enfin si j'avais dû mettre des chaussettes qui dépassent bien sûr. Voilà, un petit combo des 3, dont 2 avec des paillettes et celle-ci un peu plus simple. Donc la paire grise 2,99, la paire bleue 3,99 et la paire blanche 3,99, donc celle qui m'a été offerte, ce sont les Disney on va dire. Pour finir, 2 paires de chaussettes. Alors là on est sur de la chaussette en laine, je sais pas si c'est 100% laine, mais en tout cas elles sont bien épaisses comme vous le constater, bien moelleuse, gris clair et gris foncé. Voilà, parce que franchement, comme je vous ai dit, cet hiver est assez rude, je trouve, et je pense qu'avoir de bonnes chaussettes et un bon bonnet, c'est la base. Pour finir, chez H&M en déco, alors déco oui et non, parce que ça va surtout nous servir. J'ai trouvé celui-ci chez H&M, il est super beau, je pense que c'est du plastique, hein. J'aurais aimé qu'il soit en grès, ou enfin bon, c'est pas très très grave en soi. 15,99€, j'avais moins 15%, donc voilà, on les a passés sur cet achat là. Il est magnifique, il a un très beau détail, il est asymétrique. Il est magnifique, il a une très très belle couleur, un poil plus foncé que ce que vous voyez, on est sur un grège, on est entre un beige et un gris. Il y a des espèces de petites paillettes comme ça qui réfléchissent la lumière, qui est magnifique. Et on a pris du coup, puisque bon, étant donné qu'on changeait celui-là, on va changer aussi le pot pour la brosse à dents qui se présente comme ceci. Et c'est pareil en fait, il est également en 2 parties, donc vous avez cette petite partie comme si ça avait été accolé dessus, qui est juste magnifique. On les a trouvés très très design, très beau. Ils sont quand même assez lourds, hein. Et le fait qu'il y a un petit trou juste en dessous, j'ai vraiment apprécié. C'est la première fois que je vois ça, donc après je ne zone pas dans la zone justement dépôt à dents dans les magasins en règle générale, mais c'est vrai que tous ceux que j'ai eu auparavant n'avaient pas de trou, donc là c'est chouette. Et 9,99€, donc voilà de très jolis éléments de décoration pour la salle de bain. Hier j'ai failli oublier, je vais changer mes boucles d'oreilles. Celles-ci, ce sont des Ana Luisa que je porte tous les jours depuis que je les ai. Je pense que vous les connaissez, hein, ça fait très très longtemps que je les ai. Mais en fait elles ont commencé à déteindre, la pellicule d'or qu'il y a dessus est en train littéralement de partir. Donc sachez que j'ai un petit peu les nerfs. Voilà, j'ai été un petit peu déçue, mais voilà, je tenais quand même à vous le dire, à vous dire que voilà, c'est le cas. Elle s'en va et je veux bien entendre qu'on est censé retirer ses boucles d'oreilles pour se laver, etc. Mais quand c'est de l'or et du... Voilà, de l'or qui tient bien, normalement, tu peux te laver avec tes boucles d'oreilles. Je suis désolée. Là, je ne suis pas certaine que vous verrez bien, mais...
peut-être ici, sur ce côté-là de la boule, vous allez voir, en fait, ben, la pellicule d'or est partie. Ici, là, voilà, la luminosité s'adapte, en fait. Ben, en fait, c'est une partie rouillée, entre guillemets. Vous voyez, ça m'enquiquine. Donc, on va faire ce petit changement, hop là, ensemble. Et je vais tout simplement passer à ces petites boucles d'oreilles de chez Lovisa, que j'ai trouvé chez Lovisa, à 3,90€. Et j'ai pris des petites perles comme ce que je portais avant. Donc voilà, je suis très contente de retourner aux perles. C'est vrai qu'avant j'en portais énormément. Et même plus que ça, j'en portais même de toutes les couleurs. Il y a des années, bah, quand je suis arrivée sur Paris, on est en quoi, 2022, je suis arrivée en 2012, donc il y a 10 ans. J'allais au marché de Clignancourt et j'achetais toutes les perles de toutes les couleurs et je les changeais en fonction de la tenue, enfin de la couleur du haut que je portais. Et j'ai toujours aimé les perles et je m'étais dit tiens, c'est vrai que si un jour je dois investir dans quelque chose, ce sera dans des perles une fois que j'arrêterai de porter celle-ci. Alors après, honnêtement, là on va voir, je vais voir si je me réhabitue, mais rien que de me voir comme ça, J'adore. Ça, pour vous, ça ne doit pas changer grand-chose parce que ça reste des boules sur les oreilles. Mais moi, je trouve ça extrêmement élégant. Ça peut être vieillot, les perles. Hein, j'en conviens, notamment si je mets un collier de perles, un bracelet de perles et que je me fais une petite coupe au carré avec un serre-tête. Alors là, je pense que je serais vraiment un cliché sur pattes. Mais je trouve que voilà, quand on a un look un petit peu casual, hop, une petite paire de perles, ça va venir rehausser un petit peu le look. Pourtant, ce ne sont que des accessoires et de tout petits accessoires. Mais je trouve ça très élégant et je trouve ça très élégant aussi. Bon, voilà, j'ai pas la bonne coiffure, mais voilà, quand vous savez, les cheveux attachés, par exemple, comme ça. Alors, mieux que ça, bien sûr. Mais voilà, vous voyez ce petit côté-là, hop, avec juste des petites perles, je trouve que ça vient vraiment bien habiller un visage. Je trouve ça très très élégant, je trouve ça vraiment très joli. Et hop, on va remettre ses cheveux. Je sais, je les touche tout le temps. Et vous savez quoi, ça m'a fait rire, j'ai trouvé un commentaire la dernière fois. Une de vous me félicitait de ne pas avoir touché mes cheveux de toute la vidéo. C'est juste incroyable, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, c'est que je les touche tout le temps. Donc voilà, je vais jeter cette paire de boucles d'oreilles. Voilà, ça m'attriste un petit peu hein, parce que ça fait presque un an que je les porte en continu, je crois. Hein. Mais voilà, c'est la vie. On va arrêter ce vlog ici, sinon il sera beaucoup trop long. Je pense que je vais continuer à filmer, mais ce sera le prochain vlog. Donc je serai très certainement habillée de la même manière. Voilà, je vais aller chercher le cadeau de ma petite sœur et tout. Donc voilà, et je vais passer voir mon autre sœur, tiens, au travail, si elle a un petit bout de pause, je vais voir, ne serait-ce que l'apercevoir et lui faire un petit bisou de loin parce que je serais vraiment à côté, je serais à 3 minutes à pied et ce serait quand même indécent de ne pas lui demander si elle est en pause ou si elle a 3 secondes ou voilà, je demande. Elle dispose, on verra bien. J'espère en tout cas que ça vous a plu et que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. S'il vous reste un petit peu de temps, eh bien n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste là ou à regarder l'une de mes dernières vidéos que je vous glisse juste ici. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et surtout passez d'excellentes fêtes. Bye !